qui est prévu ce 13 mai 2023, organisé par un quatron de quelques messieurs qui se disent congolais, mais nous doutons réellement de cet amour qu'ils peuvent avoir pour le Congo, parce que lorsque nous lisons sur le plan du fond les thèmes qui ont été retenus pour cette marche, nous ne voyons pas les thèmes concernant principalement la condamnation de Kagame, une marche contre le dictateur de Kigali qui endeuille notre peuple depuis 1996. Nous ne voyons pas non plus dans cette marche les questions liées à la pénurie de maïs dans le Haut-Katanga et dans le Kasaï, parce que parmi les organisateurs de cette marche, il y a l'un d'eux, selon les informations en notre possession, qui serait à la base de cette pénurie. Du Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde King, a, au nom du président de la République, chef de l'État, présidé la 98e réunion du Conseil des ministres en visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais en province du Sud-Kivu. Au regard du nombre de morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le Premier ministre chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République, chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais zone sinistrée pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique à la cause de pluies diluviennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue de la réunion de sécurité qu'il a présidée ce jeudi 11 mai 2023 pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbole et Ngola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays, pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Justement, l'insécurité dans les Maïndombe, précisément à Kouamout et la batterie, des mesures prises pour y mettre fin, ces sujets et tant d'autres étaient au centre de l'audience accordée par le Premier ministre au gouverneur du Maïndombe, Rita Bola. D'autres activités du Premier ministre à travers ces reportages signés Patti Tondon Kizunda, Bienvenue Lusala et Julien Piana. Le banditisme qui sévit à Maluku, comme dans quelques autres communes de la ville-province Kinshasa, doit être éradiqué. Pour y parvenir, des opérations de grandes envergures confiées aux forces de la défense et de la sécurité seront lancées. Retombée de la réunion de sécurité qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde King. Une évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la capitale, à Kouamout et à Kisangani, a été faite lors de cette rencontre avec quelques ministres sectoriels et les services connexes. À entendre Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure
qui y ont été confiés à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamout, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement a insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Nous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Par ailleurs, une délégation gouvernementale va être déployée dans les prochains jours pour le suivi de la pré-catastrophe de Kalehe dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est là sur instruction du chef du gouvernement qui est resté sensible à la question humanitaire. La République démocratique du Congo serait-elle sur la bonne voie avec les réformes en cours? Eh bien, les directeurs des opérations de la Banque mondiale en ont discuté avec les premiers ministres et chefs du gouvernement Jean-Michel Samalukonde-Kyenge, y compris d'autres programmes financés par cette institution des Bretton Woods. Encore une fois, Patty Tondon Kizunda. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans les cadres de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a rassemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge, une délégation des Birdeda Group dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Prince, Albert Josephat. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Donc nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son Excellence le Premier ministre de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées, aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez reconnu les timbres vocaux de notre consoeur Janine Kalenga. Autre chose, Durban, capitale du tourisme africain, le ministre du Tourisme et de la République démocratique du Congo, Didier Mazenga Mukanzu, a pris part à la rencontre sur les dialogues touristiques en Afrique du Sud. Le moment fort de ces rendez-vous qui a vu les atouts touristiques de la RDC présentés au monde, c'est à travers ces reportages. À Durban, en Afrique du Sud, où il a séjourné depuis le 6 mai 2023, Maître Didier Mazenga Mukanzu a visité en prélude les installations de la société d'Ormac, située le long de l'océan Indien. Société dirigée par M. Chris Spark, manager-directeur. Elle est spécialisée dans la construction des paquebots, bateaux de pêche, vente de fer en acier et autres navires spécialisés. Les besoins ultimes de la RDC ont été présentés aux responsables de cette entreprise pour l'achat d'un bateau qui devra servir de trafic sur le fleuve Congo, de la gare centrale jusqu'à Maluku et les sites touristiques de l'Antelé Estène.
Après cette étape, le ministre du Tourisme a eu une grande réunion bilatérale avec le ministre sud-africain du Tourisme, Madame Patricia Lille, MP, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Moulaja Bimene. Maître Didier Mazenga Mukanzu a également porté haut la voix de la RDC invitée à cette grande conférence des ministres du Tourisme des pays africains, membres et partenaires des BRICS. Entendez, groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel pays à forte croissance, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour Maître Didier Mazenga d'inviter ses homologues à favoriser la connectivité du transport aérien en Afrique du Sud pour le développement intégral du tourisme africain. Et bien après, il a répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Fidel Moulaja Binene, pour visiter le nouveau bâtiment imposant qui abrite désormais l'ambassade de la RDC à Pretoria. Maître Didier Mazenga est en train de jeter les bases solides, susceptibles de relancer le secteur du tourisme en RDC conformément à la vision du chef de l'État. La Zambie s'inspire de l'expérience de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre les blanchiments des capitaux. La délégation du Centre financier d'intelligence a eu des échanges avec le secrétaire exécutif du CNRF avant d'être reçue par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. C'est ça, un condensé signé Guy Matondo. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la cellule nationale de renseignement financier et son homologue de la Zambie viennent de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie, frontière longue de plus de 1000 km. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula Bitika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. En témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en devises étrangères tout comme en monnaie locale. Madame Lia Tembo a eu droit à une visite guidée du siège de la CNRF flambant neuf avant de se rendre à la cour de cassation. Le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondre de leurs actes. Madame Lia Tembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les deux parties se sont convenues de renforcer les capacités de leur personnel par des formations permanentes. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre de Finances. Madame Onel Sélé a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du GAFI pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. L'ambitieux programme de développement local des 145 territoires, une volonté manifeste de la RDC d'autofinancer son propre développement. C'est autour de ces sujets que la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, s'est entretenue avec les représentants résidents du PNUD pour échanger par la suite avec la mission des dialogues de la Banque de développement de la Banque africaine de développement. Françoise Bouélaboaki et Pompomba ont signé ces reportages. En mission de dialogue à Kinshasa, le groupe de la BAD affiche son engagement à asseoir la coopération inspirée de la vision du chef de l'État. Marie-Laure Akin, vice-présidente du groupe de cette institution financière, l'a mentionné au cours de cette séance de travail autour de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka. Et nous avons également des intentions de développement, d'accélération de notre engagement dans le domaine agricole, avec notamment un fort soutien au projet de transformation agricole si cher à son Excellence Monsieur le Président de la République. La Banque est en train d'élaborer sa politique, sa stratégie d'intervention pour les 5 prochaines années. Et donc il était important de rencontrer Madame la Ministre d'État chargée du plan pour effectivement avoir
une mise à jour de l'élaboration du plan national stratégique de développement sur lequel la nouvelle stratégie de la banque devra s'aligner. Pendant ce temps, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PDL 145 territoires, est venue affirmer la bonne exécution des travaux dans 54 territoires de 9 provinces sous sa supervision. Et ce cas de financement intégré va permettre donc au pays de lever tout ce qu'il y a comme écueil, de faire les réformes nécessaires pour que les ressources puissent être accessibles, afin que le pays finance son développement tel que il le fait déjà à travers le PDL 145 territoires. Judith Souminois et Damien Mama ont également abordé la question des cadres de planification, des budgétisations, de suivi et évaluation. Restons au plan la promotion de l'industrie locale, facteur important pour entrevoir la diversification de l'économie. Jean-Christophe Vahamwiti, ancien ministre de l'Agriculture, propose une nouvelle approche basée sur la promotion des producteurs agricoles locaux. Il l'a fait savoir au vice-ministre du plan, Lucie Lavichisenda et Pompomba. Appuyé par les élus du peuple, le programme de développement local des 145 territoires, le député national Jean Chrysostome Vahamwiti, ancien ministre de l'Agriculture, propose au gouvernement d'intégrer dans le volet agricole l'implication des producteurs locaux. Le secrétaire général AI du MSR a échangé avec le vice-ministre du plan Pascal Omanabitika le ressenti de la population heureuse d'assurer le contrôle citoyen des projets de développement à la base. On ne doit pas abandonner les petits exploitants agricoles. C'est pourquoi à l'époque j'avais lancé les campagnes agricoles pour appuyer les petits producteurs. Si on veut développer l'agriculture, nous devons partir de là où on est. Et là où on a des petits producteurs qu'il faut accompagner et on a des opérateurs économiques qui sont des exploitants agricoles moyens et grands. C'est de là qu'il faut partir et aller de l'avant. Et maintenant, à développement économique, ce ne sont pas les pays qui se développent, ce ne sont pas les continents, ce sont des régions. Donc nous devons, au lieu de saupoudrer le moyen, nous devons mettre en place des projets pilotes par filière. Pour le vice-ministre du plan, Pascal Omanabitika, toutes les propositions tendant à assurer la réussite des programmes de développement sont les bienvenues. Pascal Omanabitika a promis de les capitaliser pour la réussite et la pérennisation du PDL 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il représente un pan important des capitaux en termes d'investissement au pays. Les Congolais résidant en Belgique ont réfléchi avec Madame le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, Nicole Boitcha, sur ces sujets. Suivez cela en images et commentaires. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Saisir les opportunités d'affaires, c'est le but poursuivi par l'Association Africaine Professionnelle, la structure qui se veut une corporation panafricaine regroupant en son sein la diaspora de quelques pays africains vivant en Belgique. La délégation de cette association séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Elle a été reçue ce vendredi 12 mai au Palais de la Nation par Madame Nicole Toumba Boitcha, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargée de questions juridiques, politiques et diplomatiques. Outre les opportunités d'affaires, les échanges ont également tourné autour de la synergie entre cette association et les acteurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo. Une série de propositions a été formulée à Madame Ladir Kaba, du chef de l'État, par la délégation, en vue de faire entendre sa voix auprès du garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je représente avec mes amis ici l'African Professionals, qui est une association de la diaspora, dont l'objet est de mettre en avant les initiatives des personnes africaines. Dans le cadre de cette mission, nous avons tenu à rencontrer donc les représentants de la présidence et en l'occurrence aujourd'hui, Madame la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Nous avons formulé donc des propositions en vue d'améliorer donc les échanges et de favoriser le développement de l'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC ici, puisque c'est notre première étape. Très rassurant, les hôtes de Nicole Toumba Boitcha ont dit leur satisfaction à l'issue de cette entrevue, du reste bénéfique pour la diaspora.
Une enquête parlementaire dans les installations de l'ONATRA, celle-ci intervient après l'interpellation du directeur général ad intérim de l'ONATRA, Martin Loukoussa, devant les élus nationaux. Les peu de résultats rendus publics seraient positifs. L'ITB Kokolo, annoncé hors service, serait de nouveau à Floro Dépenda. Nous en dit un peu plus. Sur base des accusations non fondées, le directeur général AI de l'Office national de transport ONATRA avait été interpellé à l'Assemblée nationale en mars 2022 et entendu par la commission de l'aménagement innovation. L'argumentaire de députés voulait à tout prix clouer le directeur général de l'ONATRA avec des prétendues preuves de la mégestion. À cela s'ajoutent les bateaux Kokolo immobilisés, insistait le membre de la commission. Très serré, le DG Martin Loukoussa Panoum a fait un exposé convaincant avec des explications claires. Pour les élus du peuple, le dossier ne pouvait pas se clôturer par de simples explications verbales. Une commission d'enquête est descendue dans les installations de l'ONATRA et les contrôles ont été effectués. Les résultats de cette enquête parlementaire sont plus qu'épatants du travail de titan abattu par le DG Martin Loukoussa, l'aigle royal. L'ITB Kokolo, en action et opérationnel, ajoutait à cela les entrepôts construits avec le sens managérial aigu du conseil d'administration. La délégation de députés, membres de la commission, confirme les avancées significatives et encourage les DG de l'ONATRA et tous les conseils d'administration à garder cette stratégie, cet élan et cette politique de gestion. Nous sommes convenus qu'en cette date, que nous puissions venir visiter si réellement les bateaux Kokolo étaient opérationnels. Effectivement, Kokolo est opérationnel. Le ministère des Finances doit allouer les sommes promises à l'ONATRA. Après être passé à la barre de l'Assemblée nationale, suivi de la démonstration sur le terrain, Martin Loukoussa est l'homme le plus heureux, sans fausse modestie. Sur l'ONATRA, notamment le cas de bateau ITB Kokolo qui est en état de navigabilité. Vous avez vu, nous avons fait la randonnée avec. Donc ce bateau est opérationnel, donc à la disposition des opérateurs économiques. Pour les élus du peuple, au regard des réalisations de ce directeur général intérimaire, Martin Loukoussa mérite la confirmation à ses postes pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC. Les activités sur l'égalité des sexes nécessitent des financements conséquents pour atteindre les publics cibles. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubibi Moloko, qui séjourne en Belgique, a pris langue avec un certain nombre de partenaires dans la réalisation des projets. Suivez cela en images et commentaires. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique de femmes, et ce, conformément à son plan d'action et agenda présenté et défendu lors de sa prise officielle de fonction à la tête de ses ministères. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubibi Moloko, qui séjourne en Belgique, a intensifié des rencontres avec les partenaires et bailleurs de fonds en vue d'un accompagnement financier planifié des activités. La patronne du genre, engagée dans des réformes pour son secteur, a pris l'initiative d'élargir ses plaidoyers en dehors de nos frontières naturelles pour plus d'impact. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massaoubibi Moloko, est arrivée en Belgique sur invitation de Caroline Genèse, ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville, pour participer à la 4e édition de la table ronde des principaux partenaires des financements de l'ONU Femmes qui se tient à Bruxelles du 10 au 11 mai. Dans son agenda, une fois en République démocratique du Congo, l'on note également la célébration de la Journée internationale de la famille le 15 mai. La création d'une classe moyenne passe par l'accompagnement des petits commerces. C'est dans cette optique que Dr. Ernest Yenga et sa fondation ont levé l'option de financer les initiatives dans ces domaines. Une rencontre a été organisée dans la commune de Kassavu. Les jeunes représentent plus de 60% des sans-emploi dans le pays. D'où des mécanismes pour la création d'emplois stables à travers l'entrepreneuriat. Ces derniers s'apprennent et l'on se forme en même temps pour atteindre ces objectifs. C'est ainsi que la Fondation Dr. Ernest Yenga Linoa s'emploie à vulgariser ses trois objectifs principaux, notamment le social, le travail et le développement. Cette rencontre dans la commune de Kassavougou a tourné autour justement des financements des microfinances pour booster les petits commerces. La fondation est là pour encadrer ces jeunes gens à trouver de l'emploi. Mais avec la fondation,
la fondation va s'évertuer à trouver de l'emploi pour ses membres. Le développement, on entend par là la promotion de l'entrepreneuriat, avoir accès au crédit. Cette fondation a aussi des ambitions politiques. C'est pourquoi elle a lié un partenariat avec un parti CONIS, Bloc patriotique pour l'émergence du Congo. Cette structure fait partie dans son volet politique du Bloc patriotique pour l'émergence au Congo d'Adrien Bokele Djemba, ministre des Pêches et Élevages, lui-même acteur important du social. 3000 bancs pupitres pour quelques écoles du Congo central. Le geste concerne le village Mbenzambongo et pourra s'étendre à d'autres bourgades, une initiative du professeur Michel Dissonama. Non aux écoles sans bancs, un programme qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases et dont les effets sont plus que palpables. 3000 bancs pupitres pour les écoles des villages Mbenzangongo, secteur de Loango, dans les Congo central. Sur initiative du professeur Michel Dissonama, à travers la fondation qui porte son nom. De manière plus détaillée, les écoles bénéficiaires sont des secteurs de Lubuzi, Liboko et Mbanga. Nous sommes très heureux de cet acte et vous ne pouvez pas calculer la joie qui inonde nos cœurs parce que c'est un don, c'est un bienfait pour la jeunesse scolarisée et pour nous, nous ne pouvons que nous en féliciter de ce geste très patriotique. Dans un autre chapitre, ces fils du terroir a procédé à la remise des 4 ponts réhabilités pour assurer le désenclavement des groupements Mbala, Biabi et autres. 4 sources d'eau aménagées à Tchela, le tout dans le but d'améliorer les conditions sociales d'une population qui en a tant besoin. J'en parlais dans les titres, la route nationale numéro 4 et Kisangani-Bouta est dans un état de délabrement très avancé, une situation préoccupante qui impacte sur les commerces le long de cette route. Les élus de ces coins du pays lancent un plaidoyer pour sa réhabilitation. Pierrot Mbouyou Saïdi. L'un des moyens les plus rapides et les moins périlleux pour atteindre la ville de Bouta, chef de la province du Bas-Ouélé, consiste à y arriver en avion par le biais de l'aéroport national Bouta-Zéga. Cependant, cette voie de communication aérienne empêche à tout Congolais de se rendre compte de l'état d'effectuer des routes à travers une itinérance au Bas-Ouélé profond. Palper les réalités sociales et pour cause, l'état de délabrement très avancé et la dégradation exponentielle, avec des boues, bourbiers, nids de poules, lac artificiel et autres dégâts matériels, la route nationale numéro 4, longue de près de 328 km, route qui va de Kisangani dans la Tchopo jusqu'à Bouta dans les Bas-Ouélé. Des passages dans cette partie du pays, pendant son itinérance administrative au Bas-Ouélé profond, l'honorable sénateur Papi Bazeko Tebouceli, bravant toutes ses difficultés, a décidé d'emprunter la RN4, vivre les dites réalités, avec diverses pannes d'automobiles et autres engins qui sont monnaie courante, aussi bien des jours que des nuits. Une situation qui n'a pas laissé indifférent, c'est élu des élus du Bas-Ouélé, d'où ses plaidoyers sous forme d'une interpellation adressée aux autorités compétentes. La plus grande orientale a comme priorité la route. À l'entame du gouvernement de Wario, le ministre des ITPR, quand il avait reçu les élus de Bas-Ouélé, il nous avait développé une théorie selon laquelle les routes seraient asphaltées. Nous lui avons dit, nous avons dans un premier temps besoin de routes en terre battue. Ça nous aiderait. La probable réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 aura l'avantage de fluidifier les trafics terrestres par voie routière de nos compatriotes de cette partie du pays. Santé, 815 infirmiers inscrits sur les tableaux de l'Ordre des infirmiers. Ces derniers ont prêté serment en présence du président de l'Ordre national des infirmiers, nous dit Rodépanda. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'infirmière. Nos infirmières, notre futur, c'est le thème choisi pour accompagner cette manifestation. Deux temps forts enregistrés au cours de cette cérémonie solennelle. D'abord, une matinée scientifique autour de ce thème avec plusieurs orateurs qui ont abordé différents sujets pour bien conscientiser sur ces métiers nobles et dignes.
Bien avant cela, le président national de l'Ordre des infirmiers, Komba Djeko, a fait l'historique et la genèse de cette journée qui n'est pas l'affaire d'un pays, mais plutôt le choix des États, a-t-il martelé. Deuxième étape, la prestation de serment de 815 nouveaux infirmiers qui viennent d'être inscrits au tableau de l'Ordre des infirmiers et le président national a pris acte de leur serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'infirmière. Tout en vous présentant toutes mes félicitations, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille infirmière. Un discours interpellateur du président à toutes les couches composantes de cette corporation a édifié tout le monde. Savoir l'ordre, les syndicats, l'infirmière, elle-même et le gouvernement, qu'avez-vous fait pour l'infirmière sur sa profession et son lendemain? Des certificats d'encouragement ont été remis au directeur de nursing. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 19h avec Annie Mbalaka. Au revoir.